super intéressant parce qu'on a pas mal de kills confirm pour Terry qui viennent avec un jab. Donc c'est souvent qu'on le voit juste jab dans le shield. Ok, Bowser game 1. Attends, il a un Bowser aussi. Hein. Alors, tu sais quoi? Moi, je suis très curieux de voir ça parce que honnêtement, j'adore okay, Bowser. Il peut se faire tabasser. Ouais. Mais Bowser, il a pas trop peur de mourir aussitôt que les autres personnages. Oui. Tu vois? Et en plus de ça. Et aussi. Désolé, et j'engueule les gens qui déconnectent pas les manettes pro. Et aussi, ce qui va être incroyable avec Bowser, c'est qu'on va pouvoir tout frame d'une facilité. Ouais, surtout Terry. Hein. Ah. Surtout Terry. Donc je pense que c'est pas pique au hasard du côté de Simplay. Donc là, on vient trouver jab jab, on essaye de cramer un petit peu le shield avec une neutral B. Très bonne option, hein, le neutral B. Si jamais on met dans le shield, le mec va obligé de lâcher au bout d'un moment. Si jamais il n'y a pas le shield, c'est vraiment beaucoup de personnages de pourcentage qui sont grattés. Mais là pour l'instant, on est even. On va trouver un magnifique fer pour envoyer ce bon vieux Wadax off stage. On va essayer de mix up pour revenir. On sera pris dans les flammes du neutral B. On arrive quand même avec normal get up. On roll, on prend F tilt, ça dégage. J'ai l'impression qu'il le savait. T'as vu son positionnement, ouais, il s'est ouais, mis carrément. Distance de roll. Il s'est dit ok, je sais qu'il va avoir une option de panique. Et j'ai l'impression qu'on a affaire à un Bowser plutôt solide. Et ça fait plaisir ouais, de voir ce genre de c'est personnage. C'est trop bien Bowser, on adore. Attention, okay, ça pourrait être aussi carnaqué. Ouais, ouais, clairement. On vient de trouver un neutral B pour, de manière défensive en get off me option. C'est une très très bonne option. On a eu un petit peu peur hein, du côté de Wadax. On a reculé. On connaît les armes du Bowser. On vient de le voir, le down B. On l'a vu, on peut avoir le down air. Et là, on a mixé jab, 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 up B. Et on vient trouver le kill assez facilement du côté de Wadax. 46% d'encaissé. Est-ce que c'est vraiment grave? Je ne pense pas. On se rapproche du go. Mais bon, ça reste Bowser. On peut. On va pas forcément mourir très tôt d'ego. Hein. Oui, forcément. On est très lourd. On a cette capacité aussi de faire peur en corner. Et ce qui fait peur en corner aussi, c'est ce genre de mix-up avec le jab, tu vois. Attention à pas sauter, parce que la prochaine fois sur un saut, hein, Terry, c'est interdiction. Ce sera des immédiats. Et ce sera retour au spawn. Ouais. Du coup, là, on vient de attention. Débloquer le go à 1% en près. Ouais. Ça nous débloque des mix-ups très très intéressants, ouais. Notamment avec ce F-Tilt qui on voit très très loin. Ouais, et on s'est vite sorti du ledge hein, du côté de Simplay, hein, comme il avait vraiment pas envie. On essaye d'envoyer des geysers, on envoie encore un geyser dans attention. Le shield. On vient trouver un side B qui va envoyer super loin. Attention, la rage du. Ok, reverse, magnifique. Magnifique, on a saisi l'opportunité. Mais attention ouais, au rage du Bowser avec les side B qui peuvent expulser le Terry. Je suis pas vraiment sûr de son poids, mais je pense que ça meurt quand même assez rapidement. Ça meurt assez vite. Hein. Bowser, hein, ça tabasse comme un ouais. Camion, on gagne un fer de plus. Si on a la bonne read sur ce super avantage, par contre, ça c'est très bien vu. On skip complètement la phase, on n'a pas de lag. Dommage. Et oui, attention à ne pas se faire punir. On a toujours le go d'actif, 81% trouvé sur une bonne read. On pourrait dire adieu à cette stock. On va essayer de lane sur le centre du terrain, c'est bien trouvé. On reset le neutral. Et on pense un petit peu plus les choses. Ouais. Et là les deux joueurs qui les deux joueurs qui font vraiment une superbe game pour l'instant. C'est trop trop cool à voir. On vient de trouver une autre aussi pour la petite sphère. On a essayé de trouver le catch un saut avec ce R side B qui aurait pu être très intéressant. Je sais plus. Je crois que c'est Bowser qui meurt en premier si jamais il suicide. Je vais demander la VAR par là-bas. Oui, c'est évidemment un Bowser. Ouais, ouais, on sait jamais. Hein. Ça c'est malin. On skip. On voit on skip les passes d'escarre. Ouais. Parce qu'on est un peu impatient, on dit qu'on ouais, a forcément de la facilité, tu vois. C'est super dommage de se forcer à faire des neutral B à l'edge comme ça, alors qu'on a énormément d'outils pour tout frame. Et le F tilt, même le down tilt qui peut vraiment super bien tout frame. Et là, on se SD, on arrive à revenir. Attention, du côté de Nico, le side B qui ne tuera pas. Et attention, le go on deck. Sur la plateforme, ça pourrait être la mort. Oh, super, oh là, sur super. La normal get up, ouais, la patience. Et ça, c'est une des forces d'Evie. C'est d'être dans des situations où tu peux mourir généralement le reste du cast. Et toi, savoir que si tu ne tues pas tout de suite, tu vas mettre des patates de l'espace et là se faire très bien space. On n'a même pas avancé, hein. On est resté sur place et on était bien à range, on s'était bien positionné. Ça surprend, j'ai l'impression, on n'a peut-être pas l'habitude aussi du personnage hein, du côté de Wadax. Non. Il a déjà joué un petit peu des fois moi, pour jouer avec lui. Ouais, connaît un peu, mais on n'a jamais l'habitude de voir ce genre de personnage, ce genre de Eevee qui sont terrifiants. Ouais, quand tu vois qu'il court Bowser, ouais. Il fait trembler le terrain, ouais. C'est une dinguerie ça. Mais la dernière stock est super intéressante parce que on est sur une ride. Parce que du coup, on fait énormément de normal get-up du côté de Wadax. On a du mal à mixer. Et up, on l'a vu hein, du côté hein. Simplay. Simplay qui reste un très très bon joueur, mine de rien. Qui a des très belles wins et qui s'en sort très bien je trouve depuis qu'il est à Clermont même s'il joue des il vient pour s'amuser hein, donc ouais. Il joue des Pokémon Trainer, il joue d'autres personnages etc. On est passé sur le Sephiroth, je peux l'entendre ça fait ouais c'est un très je pense un très bon match pour ouais. Lui
voir, il est pas rouillé, le connaissant il est pas rouillé, mais voir comment il va s'en sortir dans ce genre de situation. Là on a whiffé un petit truc, ce sera des premiers pourcentages. Et c'est bien vu cette spot dodge, ce EB qui va prendre énormément hein, dans le set, c'est très important. Ouais. Il reçoit un shield de Bowser. Et surtout, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est des pourcentages à chaque fois tellement gratuits. Ouais, c'est des pourcentages vraiment gratuits. Et là on se fait vraiment gratter du côté du Sephiroth. On a déjà l'aile. Donc attention, je pense que le shield break, forcément, on a un petit peu hold. Alors attention, qu'est-ce qu'il va mettre comme setup? Il va juste mettre full neutral B avec un F smash et ça va tuer. Ah là là là. Superbe. Et le dog smash. Ouais. Vraiment. Grâce à l'aile également. Oui, grâce à l'aile, vraiment. Mais là, ça envoie un message super fort à Simplay qui dit: frérot, dors pas sur ton shield. Bon, là on vient de trouver un F-Tilt qui va détruire la stock du bon Wadax. Mais attention, moi je suis super curieux de voir les phases d'Edge Guard et d'Edge Trap de Sephiroth contre Bowser, parce que le DR peut être littéralement... Il peut l'arracher. Mais c'est quelque chose que malheureusement Wadax, c'est un de ses mauvais côtés de son Sephiroth, c'est qu'on n'ose pas. Non mais même là il n'y a pas besoin avec le down air, surtout qu'en plus on est sur PS2, c'est à dire que bah du coup on a la plateforme qui est anglais comme on peut le voir, et ce qui fait qu'on n'a pas besoin de non plus trop commit avec le down air, parce que du coup il va arriver assez loin. Malheureusement on a down air sur le shield, on trouve l'aile du côté de Wadax. Attention F-Tilt, ouais, attention à Serico, hein. Heureusement on profite, on a le deuxième saut, attention. Et là, encore une normal get-up. Non mais le mix-up, non mix-up, tu sais. Mais on a un gros problème, j'ai l'impression que c'est dès qu'on se fait mettre corner, on a du mal à en sortir. Par contre, ça c'est très bien. Ok, oh, superbe. Ok, il est énorme. Ouais. Mais trouver ce tipper sur la pointe de l'épée, ça fait du bien. Et à chaque fois, on a le revenge kill du côté de sa plaie. Et là, on peut pas attirer entièrement revenge parce que on est si léger du côté de Sephiroth qu'on pourrait mourir. Mais ces dernières slots, donc on aura l'aile plus rapidement. C'est vrai, ça a une stat importante. Je trouve, pour moi, en dehors du diamant de Steve qui se trouve facilement sur les dernières stocks, la comeback mécanique de Sephiroth, c'est la meilleure du jeu. Ah ouais? Ben ouais, parce qu'en fait, littéralement, si tu veux, en fait, j'aime pas trop les comeback mécaniques où c'est un petit peu gratuit. Oui. Là, en gros, juste ça te donne les options d'être un personnage broken, et si tu joues correctement autour de ton aile, et ben du coup, tu peux gagner la game réellement. C'est que mon avis. Mais je pense que c'est pas tout mal. Ah, ça c'est tellement vu, ce Tomahawk side B, on va récupérer. Bien vu ce EB également, un peu biffy pour pouvoir en remettre. On est dans une situation tellement compliquée hein, parce que si on n'arrive pas à prendre rapidement cette stock, pour Wadax ça va être terrifiant. Et là, le F-Tilt encore une fois. Heureusement, on a la Rabundia, il y a quelque chose près. On aurait pu mourir, on est si léger du côté. Oh, par contre, ça. Et oui, la douille. Moi, non, la DI. Oh la DI. Mais moi, ça me rend plaisir. Ça aussi me rend heureux parce que la team. Oh là. Parce qu'on aura le droit à un troisième match. Oh, ouais. Petit en pique envoyé à la DI comme ça. On adore. Ah, y'a un partout là, Hirot Julian. Ok. Mais un. Mon frérot. SPNPLK, même combat de détester la DI. Ah là là, moi je suis pour, La DI, vous savez ce qu'on en pense. Hein. On vous déteste. On le déteste. On les déteste. Clairement. Ah. Est-ce qu'on va rester sur le Attends, ouais, on va faire un petit peu de. On va essayer de faire un petit peu de. Comment dire? De micro-trottoir. Bonjour Tigui, est-ce que tu aimes la DI? Bien sûr. Je pense qu'il a fait ça pour les caméras. Mathias, un avis quelconque sur la team DI? Est-ce que tu les aimes ou pas? C'est de la merde. Non, fallait dire que tu les détestais. Bon, c'est pas grave. On est retourné sur Terry. Okay. Bizarre. Je pense qu'on sentait pas à l'aise. Tu vois, on sentait pas à l'aise sur Sephiroth. On a compris qu'on avait gagné sur une douille et qu'on était peut-être aussi tout aussi à l'aise sur Terry. Et peut-être qu'on s'est dit qu'en arrêtant de faire des normal get-up, on pouvait être plus carré. Ouais, voilà, ça peut être un peu plus carré. On vient trouver des jabs, comme je disais avant la game. On a énormément de mix-up, attention hein. Là, il va falloir revenir, heureusement. On a vraiment du mal, hein. Dès qu'il s'agit, par contre, dès qu'on touche, on peut trouver des belles 100%. Pages, hein, 100%. Mais malheureusement, 100%, tu donnes le plein potentiel à Bowser. Tu viens de l'éveiller, le hack du Bowser, c'est là. Ça, c'est ça. Tu viens de donner l'aile à Sephiroth, le go atterrit. Ok, bon là, heureusement, on est réussi à passer au-dessus de cette EP avec Terry. On vient encore une fois, et ça c'est super cool hein, comme move. Je sais plus le nom exact du down B, mais c'est pas mal parce que du coup ça permet d'approcher, ça peut cross-up le shield. Si j'essaye s'il est fait déjà. Ouais, c'est ça. Ok, superbe. Ça peut tuer, hein. La prochaine fois ça peut tuer. Voyez voir, est-ce qu'il va s'en sortir? Il a du mal aussi avec ses phases de ledge trap. En fait, corner c'est vraiment la situation où il est moins à l'aise. Attention. Il pourrait récupérer la stock. Heureusement, on va trouver une bonne vieille. La prochaine, le prochain tuera. Et la ride. Non, F-Tro, dommage, il faisait side B et tuer.
Il avait même un smash presque. Bah, il avait énormément de choses. Mais encore une fois, là il a get up attack, mais c'était tellement bien space. Et qu'au moment de la get up attack, Simplé était déjà dans les airs. Bah, tu veux taper qui avec ta get up attack là? Ça manque de patience alors qu'on voit un Simplé vraiment carré. Et là, regarde les pourcentages. Oh là, on a gratté 50%. On vient de gratter comme avec pack qui est ultra bien space. Simplé, son boss, il le terrifie. Parce que regarde, ce positionnement, on se pose sous la plateforme et on regarde, on n'appuie pas. Et au moment où on avance, c'est le fer directement dans la tranche. Heureusement, on trouvera. Ce petit crack shoot, non, je ne sais pas, je dis des noms à hasard, il y a le burning de Kull, des trucs comme ça. Le geyser, le are you okay? C'est ça. Et là, regarde, déjà 150%. Hein. On s'est fait, ok. Il faut trouver. Il faut trouver des 40% des rapides. Ah ouais, mais c'est moins que le neutral de Bowser. Pense à toi, ma gueule. Ok. Bien vu. Ça me suffira encore pas. Par contre, il revient très très vite. On se précipite. Ouais, mais. Ok. Là, c'est la mort. Là, ça va tuer. Oh là 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 là, ça c'est très très bien vu du joueur de l'SPN qui réussit avec ce moment de ledge trap bien carré. Et là, est-ce qu'on peut gratter un petit peu plus? Oh lolo, 60% sur une conversion. Il a voulu l'assassiner, c'est dommage parce que là on pourrait perdre la stock. Ok, la spot dodge est incroyable. La spot dodge est incroyable, on a trouvé un EPS. Il est temps, il est temps. Ça tue? Non, ça tuera pas, c'est Bowser. Mais attention à la prochaine. Et là on est à, on a une stock d'avance. Oh le clutch. Oh ça va trouver, incroyable. Oh là 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 là. Wadax, il se réveille. Il est trop fort. Ah, et Simplé était tellement fort, tellement carré dans son jeu, il avait tellement la position du match. Vraiment un super match si on demande. Et là, tu te retrouves un Wadex qui s'est réveillé, qui s'est dit il faut que j'arrête de taper dans le vide, il faut que je fasse des phases qui tuent. Il a fait des phases qui tuent.